Et yo les gens Soura, j'espère que vous allez manger nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Ever, salut Ever. Salut tout le monde. Et on est actuellement sur Borderlands The Pre-Sequel. Donc, voilà. Troisième fois qu'on a fait la vidéo. Oui, troisième fois qu'on galère pour la faire. Ça c'est des bugs de micro, ça s'enregistre pas. Voilà. Donc voilà, on est décidé, on va la faire. T'as remarqué bien. Qu'on vole pas haut. Oui, parce qu'on est dans Helios là. On est plus en gravité. Va là, s'il te plaît, va à côté. Pour les viewers. Ici. T'es pas sérieux. Ah, j'ai plus. J'avais pas remarqué. T'es sérieux là. Ah, une seule balle. N'essayez pas de tomber dans le piège. Ouais. Ah, j'adore. Donc, il a été édité et développé par 2K Games et 2K Games Australia. Hein. Faut le dire quand même. Donc voilà. Et l'histoire se passe entre Borderlands 1 et Borderlands 2. Les jeux qu'on a adorés, hein. Hein, Ever. Oh. Hein, t'as adoré. Ouais. Hein. C'est bon, allez, on go. On va aller. Monstre 4, t'as fait un petit peu mal. Bon, ok, moi je vais aller au lance-patate. Hein. Avant, je faisais des quiz cops sur. J'arrive pas. Ah si, voilà. Ah, c'est tellement mieux de faire des quickscopes avec les snipers maintenant. On est où là? On est sur Helios? Mais qu'est-ce que tu fous, bordel? Il y aura du, il y aura un peu de spoil. Enfin, pas énormément. Helios sera de nouveau entre les mains d'Hyperion. Qu'est-ce que tu as fait à la station? Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces couleurs? Oui, je trouvais le rouge et le noir trop triste. Le jaune, ça pète. Vous trouvez pas? De toute façon, vous pouvez plus virer, le naze. C'est déjà fait. A plus. Ça commence, ça commence. Oh, voilà, hop, donc... Ouais. Donc l'histoire, c'est, en gros... Je vis juste une petite crise existentielle après ce qu'on a fait à Felicity. Si on peut effacer toute notre personnalité comme ça... Apparemment sur le guillemets. Donc en fait, en gros, on est des chasseurs de l'arche que Jack nous a demandé qu'on l'aide, en fait. Là, on aide les méchants du 2, quoi. On va dire ça comme ça. Allez, hop. Jigo, je rush moi. Hop. Oui, c'est moi qui a rushé avec un sniper. Et alors? On va pas se rebomber. Hop. Alors franchement, ce jeu est beaucoup plus. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'action que dans le. Je trouve qu'il y a plus d'action que dans le 1. Pas toi? Oh ouais, si. Je trouve qu'il y a un peu plus d'action, ouais, un peu plus de moments. Pour moi, ça a toujours été avant que tu tires. Ouais, c'est vrai que. Bon, j'ai toutes mes balles à côté. Allez, on est chaud. Oh, une seule balle, mec. Lance-roquette. Avec un lance-roquette. Avec un lance qui pète. Oh putain, j'ai mis du 2600 avec mon lance-roquette. Je sais, j'ai vu. J'ai voulu tirer une balle, bah j'ai pas. Bon voilà, donc en fait Jack a fait appel à des chasseurs de l'arche pour défendre la station Helios, donc où on est, et la lune elle pisse. Donc c'est un endroit où on y était tout à l'heure. Ah, pas en vidéo mais voilà. Et donc il a fait appel aux 4 chasseurs de l'arche, donc il y a Athéna, Willem, Nisha, et celui qu'on joue là actuellement, le Claptrap. Qu'est-ce qu'on voulait le jouer? C'est épique. Ouais, franchement ouais. En plus on voulait énormément le jouer ce personnage. Je laisse un peu le son parce que ça hurle dans mes oreilles. Ça va, on entend pas trop mon jeu? Non, non, on l'entend pas du tout. Ah, ça va. Parce qu'en fait, Ever est sur des enceintes et moi j'ai un casque, donc c'est pour ça. Un 2.1, attention, oh. Et moi un 7.1. Ouais, c'est pareil. Ouais, mais en casque. Non. Moi non. Ouais, bah un casque. Donc voilà. Donc on a à peu près tout dit sur l'histoire. Maintenant, on va dire les points, les bons points et les mauvais points. Enfin, les évolutions, les ajouts. Il faut pas le noter, hein. Oui. On va faire le prochain. On va lui mettre une note à la fin. Non, c'est vrai, on va vraiment faire ça. 90 sur 12. Ouais. Donc, on peut enfin. Point positif, on peut enfin jouer avec Claptrap. Ah ouais, trop. Oh, le headshot 465 avec le snipe.
Oh punaise. J'active l'ultime. En fait, l'ultime de Claptrap, en fait, c'est simple. C'est tous les ultimes de Borderlands 2, en fait. On n'a pas à peine pu défoncer. En peine. Eh mec. Attends, c'est plein de grenades. Oh punaise. T'as dû laguer comme un gros porc là. Donc voilà. Ensuite une nouveauté, donc en fait maintenant c'est plus des. Comment dire, de l'iridium, c'est des. Non de l'iridium. Parce que voilà. C'est des pierres lunaires. Parce qu'on est sur la lune. Enfin, c'est plus logique quand même. Ramost. Oui. Bien, ça t'est pas pensé à quelque chose. Attends, j'arrive. Si. Non. Le robot qu'on a dû combattre. Ah non, c'est vrai, c'était avec Gamba. Ah, est-ce que j'étais... Oui, j'étais pas ah là. Oui, on a dû battre un gros robot. T'as juste raté ça. Comptez comme ça. Oh, j'ai pas raté grand chose. J'ai mon sniper qui fait du 216 d'attaque. Nickel. Ça marche, hein. On est posé. Donc voilà. Ensuite, la gravité est différente. Bon, là, on la voit pas, mais quand on est sur la lune, en fait, c'est une gravité différente. What, t'es pas mort. Non, mais il est mort là. Oui, mais bon, il y a un gros robot. Full grenade. Voilà. Exosquelette. Ouais. Oh finesse, comment ça peut dans tous les sens. C'est pas moi. Ouais. Finesse, il a pas perdu de vie. Aujourd'hui, c'est cours de baston. Attends, je vais me lâcher. Hop, allez, bon, les 180. Laisse-moi. Oh punaise, t'es sérieux. Ouais, donc ensuite, une des nouveautés, il y a l'oxygène. Donc, l'oxygène, donc en fait, ça permet de faire comme un jetpack. Et. Le shot. Ah, ok, même pas de shot one shot. Ok, c'est cool. Donc, on peut avoir un jetpack, on peut aussi réanimer avec l'oxygène. Mais j'ai un nouveau pouvoir. What? Ah, oui, c'est pour me soigner. Ah, bah, ça, c'est pour soigner ses alliés en fait. Ouais bon, voilà. Ensuite, une nouveauté par rapport à Borderlands 2, c'est que dans Borderlands 2, les armes n'étaient pas illimitées. Enfin, elles étaient quasi illimitées, elles sont vraiment illimitées. Et elles ont toutes des différences, etc. Enfin, ça, c'est un détail, mais c'est toujours pas mal. C'est un détail qui fait tout. Ouais, ça, voilà. C'est la marque de fabrique de Borderlands, quoi. Enfin, de 2K pour ça. What? Allez, on y go. Attends, okay, je rentre par ici, hein. Par où? Si. Ah oui, tu vas rentrer. Oui, bah vas-y, non, rentre. Je rentre. Ah, attention, moi aussi. Pourquoi on peut pas rentrer? Regarde ce que t'as foutu, Clément. Hein? Arrête. Non, mais excuse-moi, je devais faire ma vie dans le shoot à l'heure. Ouais, voilà. Non, en fait, Claptrap, il y a tellement eu peur que. Regarde. Valentin, Ever, regarde. Yo. Là, c'est notre dieu. Le dieu vénéré. Ah ouais, trop. On va l'appeler chaussée au pas. Regarde. Moi je. Tu sais, je me désaccroupis en fait. Konnichiwa. Vas-y, fais comme moi. Sauf que moi je floude. Non, faut le faire moins vite. Pondo. Ensuite, donc les points négatifs, et ça tu vas vraiment être d'accord, c'est le pilotage des véhicules. Enfin, de la bagnole surtout. Trop. Qu'est-ce que ça peut être chiant. La pilote à la souris, c'est. Oh, moi non, à la manette. Non. Bah même toi, tu joues à la manette. C'est chaud, hein. Ah, mais c'est plus chaud à la souris parce que tu dois tourner avec ta souris. Cette station est à moi, chasseur de l'arche. Pourquoi? Ouais. Elle a tout bouclé. On peut pas atteindre l'œil d'Elios. Mais on a coupé le brouilleur, je comprends. Et ensuite, la dernière. Bon, tant pis. Point négatif. Aucune évolution graphique. Ah, bah pour moi, c'est pas mal. Ouais, pour toi, tu la vois, mais moi, je la vois pas, l'évolution. Pour moi, il est aussi beau que Borderlands 2. Quoi. Enfin, il est meilleur que Borderlands 2, mais. Je sais pas, il y a un truc. Faut là-bas. En tout cas, au bureau de Jack. On va rester encore 2-3 minutes et puis après, on s'assied. Ouais, en faux, nous on tire. Regarde, bonjour. Ouais. Ultime. Bon, vous voulez voir plus de noscope ou vous voulez voir plus de freshcope? Je meurs. Ah, comme...
Ah, vous avez vu? C'est magnifique. T'es mort? Ouais, ah, excusez. Ah. Ah, là, je suis en train de le réanimer avec de l'oxygène. Ah, t'as vu comment je t'ai défendu là? Ouais, attention, hein. Chut. Putain, c'est lourd à mode, hein. Ah, peur, attention, hein. On est chaud là, on est chaud. Allez, okay. Attends, là je suis en mode fou. Oh, tu restes ici, mec. Je suis en mode je fouille tout, moi, si tu m'excuseras. Je vais vous montrer vite fait l'arbre de compétences. Enfin, ça n'a pas changé là, mais vous voyez toujours votre personnage. Ah, ok, donc attends, je fais gangbang. Je vais crever. Moi aussi, donc. Oh, merci, Zé. Oh, 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 oh. Tu vas pas mourir, tu vas pas me lâcher. Okay. En fait, en gros, j'ai une compétence, c'est que. Ah non, non, je peux pas te réanimer, je rebondis. Ok, bah c'est quoi? Ah, c'est bon. Vive le lance. Attention, maintenant tu rebondis. Allez, rebondis, mon dieu. Oh, merci d'avoir gelé. C'est chiant quand même ça. Quand tu rebondis, bah c'est plus chaud ça va quoi. Mon épitaphe. Quand je passe, je fais des ravages. Alors, il y a aussi une nouvelle nouveauté, enfin plutôt un ajout, c'est l'élément glace. Aussi, enfin, c'est un détail aussi, mais c'est pas mal. Ouais. On est là pour tout défoncer. Ouais, on fonce dans le tas, on est des gros ouf de la mort qui bute. De la mort qui tue. Hein. Ah cool. Enfin, c'est ce que je viens de dire. Bref, moi c'était là, devant cette belle porte. Ah bah, j'appuie au moins sur le bouton. Voilà. Tu pourrais demander une autorisation à un claptrap. Doit y en avoir un dans le coin. N'essaie pas d'ouvrir. On est claptrap, mec. J'ai supprimé tes fonctions d'ouverture de porte quand j'ai rempli ton disque dur de manuel d'armes et de protocole de monter l'escalier. Je suis que l'ombre de moi-même. Et quoi? Rien. Allez, go. Allez, à plus. À plus, les gens. Allez, à plus, les gens.